Pour la dernière chronique de l'ACF de la saison, on parle d'anxiété financière. Toujours pour la chronique, je suis en compagnie de la directrice de l'ACF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, aujourd'hui, on parle d'anxiété financière, mais on sait, hein, les finances, c'est une source de stress et d'anxiété chez les gens. Oui, tout à fait. Puis, il y a des sondages qui ont été relevés cette année, en fait, surtout avec toutes les hausses de prix qu'on vit de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, qu'on se rend compte que les gens sont de plus en plus stressés puis peuvent justement vivre de l'anxiété financière. On parle de 86 % des gens qui ressentent de l'anxiété financière. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Il faut comprendre que souvent, plus que nos moyens sont serrés, plus qu'on vit de l'anxiété financière et moins qu'on s'intéresse à nos finances, plus qu'on a de l'anxiété financière aussi. Ça fait quand même bizarre de dire ça. Oui, parce que l'inconnu, souvent, ça fait peur. On ne sait pas trop ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a assez d'argent? Si on ne s'occupe pas de nos choses, c'est sûr que ça cause un stress. Tout à fait. Puis, au travers de tout ça, en bout de ligne, ce qui est important de savoir, c'est que il ne faut pas s'isoler dans cette situation-là. Il ne faut pas rester avec notre problème d'anxiété parce que ça peut causer beaucoup d'autres problèmes conséquents. Ça peut aller du manque de sommeil, troubles alimentaires, chicane. Hein, combien de fois qu'on peut chicaner avec notre conjoint concernant les chiffres. Et sans parler d'éventuelles chicanes qui peuvent mener à des séparations et ensuite refaire un autre boucle d'insécurité financière et d'anxiété financière au travers de tout ça. Il y a des gens qui se spécialisent dans le domaine qui, justement, peuvent faire en sorte de diminuer notre anxiété financière, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être quand même volontaire dans cette démarche-là. Il faut être capable de pouvoir en parler. Et au Québec, bien, on a cette maladie-là. Hein? On n'aime pas ça parler d'argent. C'est pas chic. Bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si on en a beaucoup ou pas. Oui, mais souvent, quand on en a beaucoup, on la surévalue en plus. Donc, en bout de ligne, on ne dit pas la réalité parce que souvent, quand on a beaucoup d'argent, on a aussi beaucoup de dépenses. Donc, veut pas, on n'aime pas ça parler de ces informations-là. Puis, c'est historiquement, là, c'est connu au Québec. C'est des choses qui sont privées, qu'on doit discuter qu'en famille très, très, très serrée. Mais des fois, de pouvoir en discuter de façon ouverte. On va voir un médecin à chaque année pour dire comment qu'on va au niveau de notre santé. Pourquoi qu'on n'irait pas voir un conseiller ou des gens dans le domaine financier pour dire comment se porte votre budget, comment se porte votre finance? Et avant tout, pour éviter tout ce qui est anxiété financière à la base, bien, c'est de mettre les choses sur la table. Donc, de pouvoir écrire, bon, mais voici ce qui rentre comme revenu, voici ce qui rentre comme dépense. Déjà, en partant, ça nous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'on a comme capacité. Et souvent, on se rend compte que, ah, bien, finalement, c'est moins pire que je pensais. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je vis de l'anxiété? Pourquoi je ressens ces sentiments-là mitigés, ces trucs-là qui m'empêchent de dormir le soir? Alors là, il faut se poser davantage de questions, voir justement si notre consommation est réfléchie, si notre consommation est responsable aussi. Parce qu'on s'entend, si on acquiert un bien qu'on doit remplacer un mois après parce que ce n'est pas une consommation responsable, une consommation durable, on vient le payer plusieurs fois. Donc, c'est de se poser ces questions-là, de prendre le temps de faire un pas de recul, de regarder les chiffres droit dans les yeux. Oui, oui, puis on n'a pas tendance à le faire vraiment. Non. On oublie, tu sais, même des fois, même moi, je le fais, je suis comme, ma paye est-tu vraiment passée? Mon compte a-tu vraiment été payé? Tout est-tu vraiment... On oublie des fois de faire un suivi serré sur nos choses. Puis à un moment donné, on peut arriver 2-3 mois plus tard, il y a eu un problème, puis là, on le voit plus tard. En fait, t'es pas le seul, Marc, dans cette situation-là. Je dirais que 90, c'est pas 95 % des gens n'ont pas tendance à faire un budget et à réellement le suivre. Puis c'est correct, parce qu'il n'y a rien de très sexy à faire un budget. Là. C'est pas « ouais, j'étais allée faire mon budget, je suis heureuse de faire mon budget aujourd'hui ». Non, c'est souvent une tâche qui est dite « emmerdante », qui est dite « redondante ».
Puis on se souvient quand nos parents faisaient nos budgets. Bon, là, maintenant, on a beaucoup d'applications qui nous permettent de faire ça facilement. Mais moi, je me souviens, mes parents qui faisaient un budget assis à la table avec les factures. Puis là, c'était donc une tâche fastidieuse, puis ça chicanait, tu sais. Mm-hmm. Donc, on a tout ça qui est au travers, qui vient nous remémorer que c'est pas intéressant de faire un budget, mais dites-vous qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, puis il y a des gens qui aiment ça en faire. Moi, j'aime ça en faire, donc n'hésitez pas à venir voir les gens à la CEF. Ça va nous faire plaisir de vous encadrer à faire votre budget, à vous orienter, à faire des choix, des fois, qui peuvent être difficiles, hein, parce que nous, on peut regarder la situation très froide, puis dire « Ah, bien, pourquoi tu dépenses autant dans ce poste budgétaire-là? » « Ah, je me suis jamais posé la question, vois-tu? » Donc, c'est le mot d'ordre à retenir. Il faut faire son budget, il faut regarder nos finances. On n'aime pas ça, c'est plate, c'est ardu. Bien, on est mieux de demander de l'aide que de ne pas le faire du tout. Exactement. Et aussi, bien, des fois, ça peut être juste aussi de commencer à lire de l'actualité. Donc, on a plein de pages web qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc, on a la presse, on a le Journal de Montréal, on a chacune a des pages finances qui, justement, bien, on commence à regarder un article. OK, ça commence à me parler un petit peu. Donc, de juste s'intéresser une fois par mois, une fois par semaine à des notions économiques, ça va augmenter notre littératie financière. Donc, faire en sorte de connaître davantage toutes les notions relatives à la finance. Donc, lorsque va venir un choix financier, bien, on va être davantage informé. Donc là, notre niveau d'anxiété va peut-être être plus bas. Parce que plus qu'on connaît de l'information, le plus qu'on est éduqué, le plus qu'on est habilité à faire des choix logiques et sensés. Et là, il commence à faire beau, alors pourquoi pas s'asseoir sur une petite chaise longue? Oh, regardez ça, tranquille, relax! Ben oui, c'est pas de toute beauté. Donc, en profiter, faire ça. Puis c'est sûr, c'est pas quelque chose de plaisant, mais quand on prend l'habitude de le faire, que ce soit une fois par mois, que ce soit une fois ou trois mois, juste de s'asseoir, de remettre les choses en place un petit peu et de faire le point. On le fait pour notre auto, on le fait pour notre corps. Pourquoi qu'on le ferait pas pour nos finances? Ça fait qu'on évite les mauvaises surprises. Exactement. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Écoute, infiniment. Comme je l'ai dit, c'est la dernière chronique de la saison. Oui. Je vais te souhaiter un bel été. Pareillement. Et puis, ben écoute, on se revoit la saison prochaine. On a encore plein de sujets à parler. Okay. Oui. Bon été.